Tu as acheté un mannequin de bois, tu ne sais pas quoi faire avec, je vais donner des bases pour bien débuter. Premier exercice, tu vas travailler les déplacements à 45 avec le mannequin de bois. Tu te mets en face, comme ceci, et tu vas amener ton pied et tu te retrouves à 45 par rapport au mannequin de bois. Je recommence, j'amène ce pied et le pied extérieur, je ramène le pied intérieur et je suis à 45 au niveau du mannequin de bois. Ok ? Je fais ça plusieurs fois, tac, tac. Je peux le faire avec les mains dans le dos. Quand je fais ça, c'est bien la hanche que je ramène. J'envoie mon pied, je ramène ma hanche et je suis à 45 degrés par rapport au mannequin de bois. L'objectif de cet exercice est de pouvoir se placer à 45 degrés par rapport à son adversaire, de ne pas rester en face, mais je me place à 45 degrés. Ce qui fait que j'évite de prendre le coup de poing du côté opposé. Deuxième exercice, tu fais la même chose mais avec un tan sao. Commence man sao ou sao, je me déplace, tan sao, coup de poing. Je recommence, man sao ou sao, je me déplace, tan sao, coup de poing. Le tan sao est vers le centre du mannequin de bois et je donne le coup de poing comme ceci. Ça peut être aussi un coup de paume, par exemple, tac, tac. Troisième exercice, on commence en man sao ou sao avec la main droite. Je fais le pas et pak sao, coup de poing. Je recommence, je fais comme ceci, pak sao, coup de poing. C'est le même pas, pak sao, coup de poing. Je fais comme ceci, quatrième exercice, man sao sao, et je viens faire le décalage, gan sao coup de poing. Gan sao coup de poing. Cinquième exercice, gan sao coup de poing. Je viens, même décalage, même pas, et gan sao coup de poing. Ça peut être aussi avec une paume. Exercice numéro 6. On va faire bon goût. On vient comme ceci, bon sao ou sao, à 45 degrés. Et là, c'est les deux bras qui vont toucher le bras. Je recommence. Une fois que vous maîtrisez ces 6 réactions avec le mannequin de bois, vous allez pouvoir enchaîner. Mais il faut le répéter suffisamment de fois pour que ce soit vraiment naturel. Première réaction, tan sao coup de poing. Coup de paume et je reviens avec un pak sao au niveau du bras qui est ici. Je recommence, je suis comme ceci, tan sao coup de poing, coup de paume. Encore, tan sao coup de poing, coup de paume. La suite avec le pak sao et je frappe. Là je fais un lap sao, vous voyez, avec le coude vers le bas, comme ceci. Je reprends. Troisième avec le gan sao. Je me déplace, coup de poing, pak sao et coup de paume. Là, ce qui est important, vous voyez, c'est que je passe derrière le bras, comme ceci. Vous voyez, mon bras ne passe pas devant, mais derrière le bras. Je suis ici, boum. Cinquième, c'est gan sao. Je suis comme ceci, gan sao, coup de poing, boum. Je recommence. Coup de poing, coup de paume et ici. Le sixième, c'est avec le bong sao. Je viens comme ceci avec le pas et je frappe. Je viens me placer à 45 degrés et je frappe. J'ai un bong et un wu sao, lap sao et je frappe. Alors normalement, pour faire du mannequin de bois, il faut être quatrième technicien. Et là, lorsque tu es quatrième technicien, tu vois la forme du mannequin de bois, le shi sao du mannequin de bois, toutes les applications qui correspondent au mannequin de bois. Ceci dit, si tu as un mannequin de bois avant, ça peut te servir de partenaire pour répéter tes mouvements de base, tes réactions de base, comme ce qu'on vient faire aujourd'hui. Donc, ce que je préconise, eh bien, c'est de le faire régulièrement, de mettre de l'intensité, de ne pas hésiter à secouer un peu le mannequin de bois, hein, il doit trembler. J'ai beaucoup d'autres exercices de ce type dans mes poches de Sifu. Si tu en veux plus, mets en commentaire, j'en veux encore. Abonne-toi, like cette vidéo, c'était Sifu Johan Mo pour le Wing Chun Defense System. Ouais.